استقبلت غرفة التجارة والصناعة بولاية قسنطينة كل من سفيرة دولة تركيا بالجزائر وسفيرة بريطانيا العظمى للتشاور والتحاور حول التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أكدت السفيرة التركية بالجزائر ماهينور أوزديمير جوكتاش أن هذه الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة ولاية قسنطينة، موضحة أن هناك نية في استغلال الفرص والامتيازات المتاحة في هذه الولاية. Aujourd'hui, j'ai été accueillie par le Wali de Constantine, avec lequel nous avons discuté des possibilités de jumelage entre nos deux pays, entre deux villes. C'est une ville aussi historique, et vous le savez, en temps normal, nous avons des vols réguliers Turkish Airlines vers Constantine aussi. Nous avons un centre de visa. Nous avons déjà des sociétés qui sont implantées ici à Constantine. Aujourd'hui, nous souhaitons développer ce partenariat davantage. On a pu voir un peu ensemble quelles étaient les capacités et quelles étaient les opportunités à développer. Et, du tourisme, mais aussi des différents modèles de coopération industrielle dans le cadre notamment de la diversification de l'industrie en Algérie. Nous souhaitons pouvoir encourager des sociétés turques à venir à Constantine et à investir ici. من جهتها أوضحت سفيرة بريطانيا العظمى شارون ووردل أن الشراكة بين إنجلترا وقسنطينة قد بدأت، مؤكدة أن هناك العديد من القطاعات التي تجذب إنجلترا. Les possibilités, le potentiel pour les relations et les partenariats économiques entre nos deux pays et la ville de Constantine. Sont vraiment là. Nous avons déjà des bonnes relations, mais à cause de la pandémie, peut-être c'était une période assez difficile, mais l'économie, ça commence à bouger. Les vols ont recommencé un peu. Inch'Allah, ça arrivera. Le secteur pharmaceutique, l'agriculture, l'agritech, ce sont des secteurs importants. Alors, on vient de parler aussi de l'énergie renouvelable. Je crois qu'il y aura des opportunités.